Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades moto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui auraient suivi la vidéo précédente, l'épisode sur le Merdeloup, la sortie du Merdeloup, je vous avais expliqué que j'avais un micro dans le casque, mais que le casque était mal insonorisé et du coup j'alternais entre voix off et voix en direct. Ce sera encore le cas pour cette vidéo, puisque j'ai encore le casque, on va dire low cost. Par contre, pour les prochaines vidéos, ce sera le nouveau casque, donc avec une meilleure insonorisation. Bon visionnage. Pour cette nouvelle balade, ce sera les gorges de l'Hérault, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles et le retour sur Millau. Je me situe actuellement au niveau du col du Vent, proche du mont Saint-Boudille. Je descends sur Arboras, puis Montpérou, Saint-Jean-de-Fosse, Saint-Guillaume-le-Désert avec son célèbre pont du Diable, puis ensuite les gorges de l'Hérault jusqu'à Cazillac, ensuite les gorges de la Vis avec la remontée sur le cirque de Navacelles, puis le retour sur Alzon, Sauclières, Saint-Jean-du-Bruel et Millau. Encore une belle journée, juste avant le troisième confinement. Donc autant en profiter. On va profiter de cette sortie. Belle journée, il n'y a pas trop de vent. Le ciel est un peu voilé, il ne fait pas trop chaud. Contrairement à avant-hier où il faisait beaucoup plus chaud. Et là donc on va profiter de cette balade pour découvrir un superbe coin que j'avais déjà découvert dernièrement en faisant les gorges de la Buège. Et là du coup on va faire les gorges de l'Hérault, du moins une partie. On poursuit la descente, donc là la descente va nous mener jusqu'à Arboras. Et puis Arboras, on fera Montpérou derrière, avant de se diriger vers Saint-Guillaume-le-Désert. La balade du jour devrait faire aux environs de 200 km. Je suis parti relativement de bonne heure de Millau, je suis parti vers 13h, 13h15. Donc ça devrait faire un retour aux environs de 16h30 à peu près. On vient de sortir de Saint-Jean-de-Fosse et nous voilà au pont du Diable où on va s'arrêter un peu.
et nous quittons le pont du Diable pour les gorges de l'Hérault. Une route bien sinueuse, bien agréable et surtout bien entretenue, pas de gravillon à signaler. Vous pouvez le constater, je ne suis pas le seul motard, mais celui-là connaît mieux le coin que moi. Mais bon, le but, c'est de se balader à son rythme et d'apprécier le paysage.
vient de quitter Cazillac pour s'attaquer aux gorges, toujours des gorges de l'Hérault pour l'instant. Étant de monter vers le cirque de Navacelle. Et donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo et de la balade, les gorges de la Vis. J'ai fait le choix de les prendre par Madière. Et ça va nous mener au cirque de Navacelle. Sur une route, comme vous le voyez, relativement étroite.
je vous laisse contempler le cirque de Navacelles. On se retrouve de l'autre côté de la route. Tout à l'heure on était en face, la route que vous voyez. Toujours ce magnifique décor avec les éboulis. Et voilà le cirque de Navacelles, vu de l'autre côté. Avec la vis tout en bas. Et c'est sur ces dernières images que la vidéo va se terminer. Merci de l'avoir visionné. Le troisième confinement arrive à grands pas. Donc prenez soin de vous et dès que vous le pouvez, roulez. À bientôt.